Bonjour, j'accueille aujourd'hui Mohamed Hassan, que les habitués de Michel Midi ont déjà eu l'occasion d'écouter il y a quelques mois. Mohamed Hassan est rarement en Belgique, donc j'ai sauté sur l'occasion. Il est d'origine éthiopienne, de nationalité somalie dans l'Éthiopie, qui est un pays très multinational. Il a été ambassadeur de l'Éthiopie en Belgique, il a vécu très longtemps en Belgique, là maintenant. Il est beaucoup dans la corne de l'Afrique, en Afrique, il voyage beaucoup. Donc, j'ai profité du fait qu'il était là pour lui poser la question. Le monde est en train de changer beaucoup. On voit des conflits, on voit des contradictions. Les États-Unis, on se demande ce qui se passe. On se demande s'il y a un pilote dans l'avion ou s'ils sont divisés ou quelle est vraiment leur stratégie. Et on va survoler avec Mohamed quelques régions qu'il connaît bien, qu'il a beaucoup étudiées. Il a publié La stratégie du chaos, dont on reparlera, qui a comme sous-titre Impérialisme et Islam, et qui analyse justement le Moyen-Orient, la Corne de l'Afrique, des pays comme l'Afghanistan et le Pakistan. Dans ce livre, en 2010, il a insisté énormément sur l'importance de l'océan Indien et de la bataille des États-Unis contre la Chine. Tout ça se confirme aujourd'hui. Donc, c'est très intéressant de l'entendre maintenant parler de différentes régions qu'on va parcourir ensemble. Quelles sont les stratégies des États-Unis? Qu'est-ce qui se passe en Asie, dans la Corne de l'Afrique, au Moyen-Orient, en Algérie, bien entendu, une série de régions clés. Et donc, on va démarrer avec cette carte globale qui vous montre un peu de quoi on va parler. C'est-à-dire, vous avez, comme je l'ai montré, la Chine, l'Inde, l'Asie, vous avez l'Arabie Saoudite, le Yémen, Oman et la Corne de l'Afrique, Éthiopie, Somalie, Soudan. On voit donc que tout ça, ce sont des régions qui sont interconnectées, que c'est au fond la même bataille pour la domination mondiale ou au contraire pour la souveraineté des nations. Et on va commencer notre visite en Asie. Ici, vous avez une carte globale de l'Asie. Et de l'océan Indien. Et le premier pays dont on va parler, c'est l'Afghanistan. Mohamed, l'Afghanistan, avant de parler d'Afghanistan, je voudrais qu'on revienne 2 minutes. J'ai été trop vite parce que, vous savez, avec Mohamed, il va toujours vous dire, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, vous devez retourner dans l'histoire. Et donc, c'est clair que pour comprendre les États-Unis, ce qu'ils font dans ces régions, il faut remonter maintenant à quelle période de l'histoire pour comprendre la stratégie des États-Unis. A good question, excellent. I will not go very deep to analyze United States after the Monroe Doctrine and so on, but the US after the Second World War. After, in fact, United States got an Euro million in 1945. La question est bonne, je ne vais pas remonter trop loin parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et il faut remonter à une période qui est de à la Seconde Guerre mondiale, 45-50. United States have defeated Japan, took over Japan, it controlled a big part of Asia. The older competitors, Britain and France, were defeated. Ils ont battu le Japon, ils ont contrôlé une grande partie de la Chine, ils ont vaincu leurs rivaux, la Grande-Bretagne et la France. And once this happened in United States, there was two types of vision about the world. Et quand c'est arrivé, il y avait aux États-Unis deux visions sur le monde. Because the United States was the biggest economy, C'était l'économie la plus forte. for example, that for every 10 engineers in the world, 6 were Americans, Pour 10 ingénieurs dans le monde, il y en avait 6 aux États-Unis. and they have the huge and the biggest economy in the world. Ils avaient une économie vraiment de taille énorme dans le monde. One of the views of the United States was led by Kennan, a young diplomat who had been a diplomat in Moscow. Une des deux conceptions à Washington était celle de George Kennan, qui avait été diplomate à Moscou. Entre parenthèses, George Kennan, on en parle parce que Mohamed Hassan m'avait déjà bien expliqué que c'est un stratège de la période avant la guerre, mais surtout, il a eu une grande importance en 45-50 pour définir la politique des États-Unis. Et vous le trouvez dans USA, les 100 pires citations, avec des choses assez dégoûtantes, d'ailleurs, de Kennan, mais And he très was intelligent. he very intelligent, and he is the leader of what they call the Atlantists.
Europe. Et lui, c'était le dirigeant du courant, meneur du courant atlantique, c'est-à-dire c'est l'Europe qui est la clé du monde. And he is the one who developed the idea of containment. Et lui a développé cette idée de containment, c'est-à-dire qu'il fallait bloquer, empêcher, contrer le développement de l'Union soviétique, qui était le grand rival à l'époque. The second group is that what they call Asia First. Et l'autre groupe s'appelait l'Asie d'abord. And they are centering on China. Et eux, c'était la Chine qui les préoccupait le plus. Because China is the most populous country, according to their theory. La contrée la plus peuplée d'Asie. And if we control China, we also the American missionaries can play an important role to convert Chinese to Christianity, particularly Protestant. Et l'idée c'était que les missionnaires allaient jouer un rôle important pour convertir la Chine au christianisme, et en contrôlant la Chine, on contrôlait le continent asiatique. Exactly. Once we control China, we can also control the world, and we can stop the Soviets. Et quand on contrôle la Chine, on peut contrôler le monde, et donc on peut arrêter l'Union soviétique. Finally, is the Cannon who George Cannon who won and the debate. C'est Cannon qui a gagné cette discussion. But President Truman was obliged that also he have to give little bit to the Asia First group. Mais Truman a dû faire quand même des concessions au groupe qui disait l'Asie d'abord. And Asia First group was led by General MacArthur. Et le général MacArthur qui avait mené la guerre en Chine et puis contre la Corée and était le tenant. Yes, and this is the one who colonized Japan, and he wrote the Constitution of Japan. Il a colonisé le Japon et écrit la Constitution du Japon pour vraiment soumettre le Japon aux désirs des États-Unis. Correct. So the result of it is the Korean War. Et alors on a eu la guerre de Corée, 1950-53. And that war is the beginning of the decline of United States. Et cette guerre-là, dit Mohamed, c'est le début du déclin des États-Unis. Pourquoi? Because it is by that moment United States, as I have told you, it had the biggest economy, and in that war, that it is Japanese economy which have been destroyed, and the Constitution of Japan was written by John McCarthy, and Japan became officially independent in 1952. Voilà, parce que donc les États-Unis avaient la plus grande économie au départ, ils dominaient vraiment l'économie mondiale, puis le Japon s'est développé et est devenu une économie forte. So the Korean War is that it strengthens Japanese economy because Japanese industry was producing for Korean War. Comme le Japon produisait pour la guerre de Corée, ça a renforcé l'économie du Japon et donc ça a créé un rival important pour les États-Unis. Mohamed, est-ce que cette grande discussion entre les deux camps, l'Europe d'abord et l'Union soviétique ou l'Asie d'abord, est-ce qu'on la retrouve un peu entre Obama et Trump et aujourd'hui? Finally, it is United States declined economically, and it is influence decline, squandered most of its economy by waging war from Korea, Vietnam, and everywhere, and regime change. Et donc le problème de l'économie des États-Unis, c'est qu'elle a décliné en menant toutes ces guerres contre la Corée, contre le Vietnam, et toutes ces opérations de regime change, donc de renverser des gouvernements qui déplaisaient à Washington. And their understanding, particularly when Deng Xiaoping came to power, their understanding of China was not very deep. Et donc quand Deng Xiaoping est arrivé au pouvoir en Chine vers 79, la compréhension de la Chine aux États-Unis n'était pas très forte. For a lot of even Europeans, their understanding of China and the theory of Deng Xiaoping was very, very poor. Et en Europe aussi, la compréhension de ce qui se passait en Chine avec Deng était faible. The ideology of Deng Xiaoping, that it is, I don't care whether the cat is black or white, as long as it catches the mouse. La grande philosophie économique de Deng était « je me fiche que le chat soit blanc ou noir du moment qu'il attrape les souris », c'est-à-dire une théorie, il faut l'efficacité économique, il faut que la Chine développe son économie. He was appealing not to the United States of Euro capitalists, but he was appealing for overseas Chinese to come to invest in China. Et donc son idée n'était pas de demander aux États-Unis de venir développer la Chine, mais de demander aux Chinois qui vivaient à l'étranger de venir développer l'économie chinoise. The overseas Chinese, they are about 55 million. Ils sont 55 millions, ces Chinois, ils étaient 55 millions, ces Chinois d'outre-mer. They dominate several countries' economy.
Il domine l'économie de plusieurs pays dans le monde. One is the Philippines. Les Philippines. Madame Aquino, she's a Chinese origin Filipino. Madame Aquino, qui a dirigé les Philippines, était d'origine chinoise. They dominate Thailand. La Thaïlande. They dominate Malaysia. La Malaisie. They dominate Indonesia. L'Indonésie. Hong Kong. Hong Kong. And the overseas Chinese, other overseas Chinese is from Taiwan and Macau. Et aussi à Taïwan et à Macau. Donc l'influence économique géographique de ces Chinois exilés, cette diaspora chinoise était très importante. Their economic capacity, they say, is more than $2 trillion. Plus de 2 milliards de milliards, c'est ça, était leur potentiel économique. To make the story short, that today China is the second biggest economy in the world. Et aujourd'hui, la Chine est devenue la deuxième économie mondiale. And its presence is in every continent in the world. Elle est présente, active dans tous les continents mondiaux. And in order to stop China, it is Obama who have changed through Obama's mouth, which the ASEAN Pacific is the most important. United. Et donc voilà, pour contrer la Chine, Obama a dit maintenant il faut faire un shift, il faut faire vraiment un tournant, et c'est l'Asie qui est devenue le centre du monde, et c'est de l'Asie que les États-Unis doivent s'occuper en priorité. And the slogan was United States is a Pacific power, it is not an Atlantic power. Le slogan sous Obama était les États-Unis sont une puissance de l'océan Pacifique, donc l'océan entre les États-Unis et l'Asie, et pas une puissance atlantique, c'est-à-dire liée à l'Europe. And Asia is almost 60% of the world population live in Asia. 60% de la population mondiale vit en Asie. China and India only they constitute 40% of world population. Et à eux seuls, la Chine et l'Inde constituent 40% de la population mondiale. The biggest economy in the world is in Asia. Et donc l'économie la plus grande, c'est en Asie. Because of this, that United States want to dominate Asia. Et ça explique des problèmes, des hésitations, des divisions à Washington. Que faire face à la Chine? I think so. It is even one have to understand the war in Afghanistan or the invasion of Junior Bush of Afghanistan is connected to China, apart from 11 September terrorism and so on. Afghanistan is a very rich country. Alors, c'est justement, on va vous montrer la carte dont je parlais il y a deux secondes, qui vous indique la place de l'Asie au centre avec l'Inde, la Chine et puis l'Afrique et l'Arabie Saoudite, le monde arabe. Et maintenant, nous allons passer en Asie, où vous voyez l'importance effectivement de la Chine et de l'Inde au point de vue du territoire. Et maintenant, on va zoomer sur l'Afghanistan. L'Afghanistan, Mohamed, ici, quand on en parle dans les médias, on a une image, c'est un pays complètement arriéré, qui opprime les femmes, où il y a une influence de la religion, et où donc l'Occident doit absolument apporter la civilisation, même par les bombes s'il faut. Ça, c'est l'image qu'on a. Et la réalité de l'Afghanistan, c'est quoi? In reality, Afghanistan is it had been a very important country. It is an old country. En réalité, l'Afghanistan est un pays ancien qui était très important. And it is strategically situated in a very important place of the world. Il est situé stratégiquement au centre stratégique d'une région très importante du monde. Je remontre la carte deux minutes. Vous voyez effectivement que de l'Afghanistan, vous pouvez intervenir en Iran, au Pakistan, dans les républiques centrales, Tadjikistan, Ouzbékistan, Turkménistan, qui sont très très riches, je le rappelle, en gaz, en pétrole. C'est vraiment une des régions très très importantes. Vous avez l'Asie. Donc en fait, c'est pour ça aussi que l'Afghanistan, les États-Unis voulaient absolument la contrôler avec la guerre contre 2001. Ce n'était pas Ben Laden le problème, c'était déjà la Chine alors. Indeed, because it is it repeats history the same, Tsarist imperialist Russia. Oui, dit Mohamed, c'est effectivement, l'histoire se répète, et l'intervention en Afghanistan, c'était déjà par rapport aux Russes, par rapport aux Chinois. The expansion of Russia and colonizing Central Asian countries in former century. Dans le siècle précédent, la Russie intervenait et colonisait le centre de l'Asie. The domination of Russian capital in Iran. Et ils intervenaient jusqu'en Iran.
Russia dismembering Greater Iran and colonizing Georgia or Armenia. La Russie avait démantelé le Grand Iran et colonisé la Géorgie, l'Arménie. And then finally is the three-time war between what they call the British War in Afghanistan, which ended in 1918. Et puis il y a eu une très très grande guerre entre la Grande-Bretagne et la Russie pour le contrôle de l'Afghanistan et le contrôle de l'Inde, qui était la grande. Indeed, Asia also. La grande. So now history repeated again. Afghanistan is very important. It is bordering China, bordering Central Asia. L'Afghanistan est extrêmement important puisqu'il il touche à la Chine et à l'ensemble de l'Asie centrale. Je remontre la carte. And of course, it is with the new plan of China of the Silk Road. Et avec les nouveaux projets de la Chine pour la route de la soie, c'est-à-dire les routes maritimes et terrestres qui vont amener les marchandises de la Chine vers l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et en sens inverse. The Chinese, they have reversed the idea of Brzezinski, which is called Brzezinski was thinking the Euro-Asia dominated by United States. Now it is the reverse happened. China is reaching to Europe through Euro-Asia Silk Road. Et donc Brzezinski, dans un livre dont je vous ai déjà parlé ici dans Michel Midi, qui avait cette idée, les États-Unis vont dominer l'Eurasie, donc l'Europe plus l'Asie. Eh bien, la Chine fait ça, sauf que c'est le contraire. C'est la Chine qui parvient à dominer l'Europe avec ses marchandises contre la vision dominatrice de Brzezinski. Another important country in this process is Pakistan. Un autre pays très très important, c'est le Pakistan. Alors j'ai préparé une carte qui vous montre l'Inde et le Pakistan, une très grande superficie et une position stratégique pour l'accès à l'Asie. Very strategic in Asia, and it is the most important country for the China. It is an ally of China, Pakistan. Le Pakistan est un pays stratégique par sa position et par son alliance avec la Chine. Of course, India is the most populous country, but India is playing between United States and China. L'Inde est évidemment le pays le plus important par sa population, mais il est coincé entre les États-Unis et l'Europe d'un côté et la Chine de l'autre. And of course, India and China have about 8,000 km border. Ils ont 8,000 km de frontière avec la Chine. And United States and Indian bourgeoisie, they are United States seducing India to its side, and Indian bourgeoisie wants to have the nuclear energy, the nuclear technology. Les États-Unis font la cour à la bourgeoisie indienne, laquelle souhaite avoir la technologie et les armes nucléaires. But one don't forget that also it is Russia and all Soviet Union, and now Russia have a very strong relationship with India. Mais la Russie aussi est influente dans cette région et a une relation très forte avec l'Inde. We have not spoken today about the Russian influence in the region. We are speaking US-China relationship. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de la Russie. On va se concentrer sur les États-Unis. But next time, we have to add Russia in order to make the picture complete. Voilà, donc le rendez-vous est pris avec Mohamed pour creuser cette chose-là dans quelques mois. Il a parlé dans la stratégie du chaos dont je vous mentionnais. Il a beaucoup parlé de l'océan Indien, de sa position absolument cruciale, disant que le 21e siècle, au fond, la bataille va se jouer là. Je me souviens que nous avions installé des cartes qui montraient effectivement l'importance de l'os. Oui, vous avez un très grand reflet, donc vous n'allez rien voir à cause de ma fenêtre, mais il y avait des grandes cartes qui expliquaient que l'océan Indien, c'était probablement l'endroit le plus stratégique actuellement de la bataille des États-Unis pour contrôler l'Asie et la Chine, parce que c'est par là que toutes les marchandises, une grande partie des marchandises, partent de Chine ou vont vers la Chine, et notamment les sources d'énergie, bien entendu, le pétrole et le gaz. Et donc, l'Inde et le Pakistan, pourquoi ce conflit là maintenant? Qu'est-ce qu'il y a derrière? It is, of course, Pakistan, it had been created with a different concept. I will not go very deep about it, but it is a very, it have, Pakistan is a federal state. Le Pakistan a été créé par la Grande-Bretagne au moment où ils sont partis et ils ont provoqué la scission entre l'Inde et le Pakistan, et c'est un État. Comment vous définiriez ce. It is the Indian
or the Muslim bourgeoisie, the weak Muslim bourgeoisie, was frightened to be in one India, and they might lose their market because the Hindu-speaking bourgeoisie will dominate them. Voilà, donc la bourgeoisie musulmane de la colonie britannique craignait d'être dominée, de perdre ses marchés dans une grande Inde qui serait dominée par la bourgeoisie indienne qui était plus forte. Of course, it is Ali Jinnah himself is a Gujarati, like Modi now, who is also Prime Minister of India, which is another fascist, Hindu fascist. Oui. And Gandhi also is a Gujarat. Gujarat produced three reactionary people. One is Ali Jinnah, the founder of Pakistan. Another one, Gandhi, who is a very reactionary racist, who lived in South Africa. Another one, it is also Modi now, is another fascist, racist. Et donc, il dit que d'une même région sont venus des dirigeants racistes et réactionnaires au Pakistan, Gandhi lui-même, qui était raciste et vivait en Afrique du Sud, et le premier ministre indien actuel, Modi, qui est extrêmement raciste et réactionnaire. Réactionnaire and Hindu nationalist. Et nationaliste hindou. But of course, Pakistan is very important. Le Pakistan, dit Mohamed, c'est très important parce que... It have a huge reserve of gas. De grandes réserves de gaz. And it dominates at the beginning of the Persian Gulf Sea. Et c'est la position stratégique, vous la voyez sur la carte, le Golfe Persique, donc qui mène vers le Koweït, l'Iran, etc. Le Pakistan détient la clé pour entrer là. Yes, and the Chinese have built also a very important harbor, modern harbor in Gadwar. Et donc les Chinois ont construit un port très important à Gadwar. Il faut rappeler que les Chinois ont construit déjà un réseau de ports en eau profonde, puisque le commerce international maintenant se fait avec des très grands bateaux, des très grands containers, et donc beaucoup de containers, je veux dire. Et donc il faut construire des ports pour toute cette route de la Chine vers le Moyen-Orient, vers la Corne de l'Afrique et même vers toute l'Afrique, puisque par l'océan Indien, on peut aller dans toutes ces directions-là. Plus, is China is dependent on the energy of the Middle East, so it is the easiest way from Bandar Abbas. Bandar Abbas is an Iranian hub. From Bandar Abbas to Gadwar is a very short distance to bring energy, and then from there to bring it to China, because Pakistan also have big border with China. Voilà, et donc la Chine dépend, dit Mohamed, du pétrole du Moyen-Orient et qui, depuis l'Iran, avec le relais en Pakistan, peut l'amener en Chine. Et donc voilà les différentes raisons pour lesquelles le Pakistan est une région très très importante. On va maintenant aller un peu plus loin. On va passer vers la Corne de l'Afrique. C'est là on va aller voir la Somalie. Donc, on est passé à l'ouest, et la Somalie, c'est vraiment la pointe de l'Afrique, c'est pour ça qu'on appelle ça la Corne de l'Afrique, dans l'océan Indien. Et sur la Somalie, on en parle très très peu, on en a parlé pour dire que c'était des pirates, pour dire que c'était aussi un pays de sauvages, et c'est pas la vision que Mohamed, qui connaît bien la région, il est originaire de là, c'est pas du tout cette vision. It's true, is when you look at the map of Africa, three countries. One is very important, who have a very long coast of 3,300 kilometers in Indian Ocean. Quand vous regardez la carte, vous voyez que c'est un des trois pays très importants. La Somalie a des milliers de kilomètres de côte dans l'océan Indien. And it is just looking toward the Gulf and is looking toward the Indian Ocean. Et il est orienté à la fois vers les pays du Golfe et vers l'océan Indien. And of course, if you want, one want to control the Indian Ocean, is the smallest ocean, but it is a big part of humanity uses that ocean. Voilà, donc c'est un petit océan, l'océan Indien, comparé à d'autres, mais une grande partie de l'humanité utilise ça comme voie maritime, comme voie commerciale. And then you see the Red Sea there, Eritrea, Djibouti. Vous voyez la mer Rouge, qui mène effectivement vers l'Érythrée et Djibouti. On the other side, Yemen Je and Saudi Arabia. Montre la carte, vous avez l'Érythrée, vous avez Djibouti juste à côté, qui vous montre effectivement que c'est une position commerciale que toutes les grandes puissances ont toujours voulu contrôler. Indeed, Eritrea have also 1,350 kilometers the Red Sea coast. L'Érythrée a aussi une très longue côte
dans la mer Rouge. And it have also about 350 islands. Et il a 350 îles. And because of the strategy of United States in the past, wanted the refused or it is denied the Eritrean self-determination and wanted Eritrea to be with their friend Ethiopia, Haile Selassie, to be annexed. Et donc là, Mohamed rappelle, et nous avons traité ça dans un précédent Michel Midi avec Mohamed, que l'Érythrée, les États-Unis ont toujours refusé de lui donner sa souveraineté, son droit à l'autodétermination. Ça a commencé avec Dulles en 1950, qui a dit oui, les Érythréens, ils devraient avoir le droit d'avoir leur État, mais les intérêts des États-Unis font qu'on ne va pas leur donner. Et je rappelle, c'était aussi dans la stratégie du chaos bien expliqué, que l'Éthiopie a été soutenue, armée, aidée par les États-Unis pour attaquer l'Érythrée, d'autres pays aussi, et pour contrôler et annexer l'Érythrée pour les intérêts stratégiques des États-Unis. Mais là, justement, actuellement, on va montrer l'Éthiopie aussi. Les choses ont tourné moins bien pour les intérêts des États-Unis et ils contrôlent moins bien la région. Qu'est-ce qui se passe en Éthiopie? Of course, Ethiopia is the second populous country in African continent. C'est le pays, le deuxième pays le plus peuplé du continent. And it is the capital of the African Union. C'est la capitale de l'Union africaine qui regroupe tous les États du continent. And it's also the capital of African Development ECA, African Development UN bodies. Et donc c'est aussi la capitale de l'institution du développement en Afrique. But Ethiopia was viewed by US imperialism as part of Africa and part of the Horn of Africa and part of major Africa and the Middle East. Mais les États-Unis considèrent aussi son importance et pour l'Afrique et pour le Moyen-Orient. And now is almost now 1 year that it is with the popular uprising, the puppet of United States, particularly the friends of Obama. A minority regime, they were overthrown by popular revolt. Et donc maintenant, après les printemps arabes et les différentes révoltes sous Obama, il y a eu révolte populaire aussi en Éthiopie, et donc le gouvernement qui était, on peut le dire, des marionnettes des États-Unis a été renversé. That is correct. Now it is the Eritrean revolution had always had a vision which is called good neighborhood. Et donc l'Érythrée avait toujours insisté qu'il fallait qu'il y ait un bon voisinage, des relations amicales, pacifiques entre les pays de la Corne. And that policy now had won and there is now peace between Eritrea and Ethiopia. Et cette politique l'a maintenant emportée, il y a la paix enfin entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Ça c'est une grande défaite pour Washington. Indeed, yes. Secondly, that it is, there was... A tripartite agreement was signed in the capital of Eritrea between Somalia, Ethiopia and Eritrea. Et donc, on a eu un accord, une convention de coexistence pacifique, de bonnes relations qui a été signée entre trois pays que vous voyez là, l'Érythrée qu'on a montré, l'Éthiopie et la Somalie, c'est-à-dire que les relations sont en train de beaucoup s'améliorer. The objective is that if also now Kenya is coming on board, Southern Sudan is coming on board. Probably. Et le Kenya que vous voyez en dessous de l'Éthiopie également, et le sud du Soudan, et donc il y a une sorte d'unité régionale, de coopération. It is a sort of an embryo level, it is a Benelux type of agreement will be made, it will be about 200 million people, a very huge market. Il va donc y avoir un accord de région économique, un peu comme le Benelux entre la Hollande, la Belgique et les Pays-Bas déjà dans les années 50. C'est un marché de 200 millions d'habitants. And it is in a way that it is the intervention, the foreign intervention to a certain extent for the moment is weakened. Et donc voilà, la capacité d'intervention des puissances étrangères s'est beaucoup affaiblie dans cette région. Ben, ça c'est une bonne nouvelle pour la paix dans le monde, c'est une bonne région aussi pour le développement de ces pays qui ont beaucoup de pauvreté, qui ont beaucoup de problèmes et qui devraient pouvoir échapper à la domination des multinationales. Est-ce qu'il y a une volonté d'indépendance dans... Of course, it is. First of all, one have to understand that Africa have 60% of world wealth. Of what? All. 60% of the wealth in the world is in Africa. Voilà, 60% des matières premières sont en Afrique. Water. L'eau, l'énergie, minerals, les agricultural minerais. Capacity of Africa, it can feed the whole universe maybe 10-20 times. Et l'Afrique a la capacité
son agriculture de nourrir peut-être même 20 fois le monde entier. At one time is the most far-sighted it was Lenin when he wrote about the Sahara. Finalement, celui qui était peut-être le plus lucide, c'était Lénine à son époque quand il écrivait sur le Sahara. He said that it is with the development of technology that Sahara will provide a huge amount of food to humanity. Et donc il disait qu'avec le développement de la technologie, le Sahara allait pouvoir produire beaucoup d'énergie et de nourriture pour l'humanité. Ben ça, c'est une prévision qu'on n'a pas entendue très souvent. Yes. Because it is Libya have discovered an ocean of water. La Libye a découvert un océan d'eau douce, donc en dessous du désert. Yes, and that is one of the reasons that French imperialism and others had invaded Libya. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'impérialisme français a envahi la Libye. Il y avait effectivement un début d'exploitation et un très grand projet de Kadhafi pour l'eau. Correct. Et donc Kadhafi ne se contentait pas de vivre de la rente du pétrole, mais il a essayé de développer une économie et des industries d'avenir. Yes, because it is the more new technologies are invented and they discover more wells in African continent. Plus on développe les technologies, plus on découvre des richesses dans le continent africain. This is one side, and the other side is that it is the African-Chinese relation also increasing every minute. Et aussi, la relation entre la Chine et les pays africains augmente à chaque minute. The old colonial powers by themselves, France and Britain, they are just a small country with a small population. La France et la Grande-Bretagne, les anciennes puissances coloniales, mais finalement, c'est des petits pays comparés à la Chine. They don't have a capacity of China and they don't have the capacity of to dominate others unless by intrigue. Et donc, ils n'ont pas la même capacité que la Chine. Et s'ils veulent dominer des pays, des régions, ils sont obligés de faire des intrigues, des ingérences, des guerres civiles aussi. And of course, with the process of development, they are declining and new thing is developing. Et maintenant, ces pays-là sont en train de se développer et on passe dans une nouvelle ère. Donc, c'est une vision pas du tout pessimiste sur l'Afrique. Absolutely not. It is pessimist for them. They just bring their pessimism on their own population. Oui, c'est les puissances européennes qui sont, sont pessimistes. That is correct. Even their media and so on. So now we come to Yemen. Je fais un petit commentaire sur l'Afrique parce qu'on va passer au Yémen. Mohamed n'était pas venu en Belgique depuis pas mal de mois. Donc il vient de découvrir le manuel stratégique de l'Afrique de Saïd Bouamama, qui dit au fond la même chose et qui présente, je vous ai déjà parlé de ce bouquin, on avait Saïd avec nous samedi, donc j'incite ceux qui n'ont pas pu assister à aller voir Michel Midi sur YouTube avec Saïd. C'est une voix très très convergente avec Mohamed qui explique qu'effectivement l'Afrique a maintenant la capacité d'échapper à ce fatalisme et à cette domination, à ce chantage de la France, de la Grande-Bretagne, de la Belgique aussi, il ne faut quand même pas l'oublier, et avec des nouvelles relations, avec une confiance en soi et avec le partenariat commercial avec la Chine, de changer en fait l'histoire de la planète là. Indeed, that it is of course the people, individuals like me and Saïd Bouamama, we are also, he's a French, I'm a Belgian with African origin, he's Algerian origin. We have a historic and other progressive like Michel Collot and so on. We have a historical responsibility that the media doesn't give any information to the people here despite they pay their tax and so on. We have to bring the other view, the other side. We are not making propaganda, we bring facts. Je vais traduire. Mohamed, qui a feuilleté le livre de Saïd, était très enthousiaste. Il dit, voilà, c'est donc un Français d'origine algérienne. Moi, je suis d'origine éthiopienne, j'ai vécu en Belgique. Et nous avons, dit-il, une grande responsabilité, avec des gens comme moi ici et d'autres, de diffuser vraiment l'information sur tout ce qu'on cache par rapport à ces pays. Nous, nous ne diffusons pas de la propagande, nous diffusons des faits, mais ces faits sont cachés dans les médias qui trompent l'opinion. Now, for this, that they are making psychological war on our people here in Belgium, in France, and so on, and we have to try to combat them with facts and so on. Et donc voilà pourquoi le système des médias dominants mène une guerre psychologique contre les gens comme Investigation, Le Grand Soir, etc., qui font de la véritable information, et on doit riposter à cette guerre avec des faits. To give one example is the Yemen crisis. Alors on va passer au Yémen pour lequel j'ai préparé une carte. Le Yémen, pour ceux qui
ont une vision limitée de la géographie. Le Yémen, ça, c'est vraiment la position stratégique. On a parlé en bas de Somalie, Éthiopie, Érythrée, ben c'est de l'autre côté. Et cette route stratégique que vous voyez là entre l'océan Indien et l'Arabie Saoudite et le Moyen-Orient et le pétrole de toute cette région, le Yémen, c'est vraiment la clé. Three factors have involved in Yemen situation. Il y a trois facteurs qui déterminent la situation du Yémen, dit Mohamed. The decline of the Saudi hegemony in Yemen, one factor. Un, le déclin de l'hégémonie des Saouds, on voit qu'ils sont là juste au-dessus, c'est le gros pays au nord. Second, the appetite of United Arab Emirates. Deuxièmement, le renforcement, non, l'appétit, la convoitise des Émirats arabes unis, c'est donc l'autre monarchie pétrolière que vous voyez là au-dessus de l'Arabie saoudite et d'Oman. United Arab Emirates is different from Saudi Arabia and Qatar. Ils ont une vision et des intérêts différents de l'Arabie saoudite et du Qatar. Once it was created by 1960, Ça a été créé en 1960. but it is leader Sheikh Ziyad, he was a very charismatic and little bit far-sighted. Son dirigeant était très charismatique et j'ai pas bien compris. He was. He was far-sighted man. Because it is United Arab Emirates didn't have even a population of 500,000 when they are and got independence from Quand ils Britain. sont devenus indépendants, ils n'avaient même pas 500 000 habitants. Now they are about 10 million Et maintenant, ils sont 10 millions. because they have understood to integrate everybody in United Arab Emirates. Parce qu'ils ont compris qu'ils devaient intégrer tout le monde dans ce pays. 9 million people who are non United Arab Emirates became United Arab Et Emirates. donc 9 millions d'habitants qui n'étaient pas des Émiratis sont devenus. For a feudal state to think in that term, it is very progressive. Pour un État féodal, penser de cette manière, c'est très progressiste. When you compare Europe racist, Islamophobia, and so on today, you could say United Arab Emirates is much advanced politicians than Europeans. Quand vous comparez le racisme, l'islamophobie en Europe aujourd'hui, eh bien, on peut dire que les Émirats arabes unis sont beaucoup plus avancés que l'Europe. Second is that it is these human resources and the little bit oil and gas they have made Et United Arab Emirates a very rich country. donc, ces ressources humaines et le peu de pétrole qu'ils ont, parce que c'est un producteur beaucoup moins important que les Saouds ou le Qatar ou l'Iran, tout ça a fait un pays avec une économie assez forte. Second is Dubai is one of the biggest economic hub in the world. Dubaï est un des plus grands potentiels de développement économique dans le monde. And Dubai is weekly is accommodates more than 26 million people at its airports. Et donc, chaque semaine, Dubaï accueille plus de 26 000 personnes à son aéroport. Secondly, Dubai is one of the strongest harbor dominating country. Dubaï est un des plus un port très important. And they specialize and they want to dominate all the ports of Yemen and all in the area. Et ils sont en train d'essayer de prendre la domination des ports du Yémen. Vous voyez sur la carte toute la zone que ça forme et des ports de l'autre des autres pays également. The third biggest port industry in the world. C'est en fait la troisième industrie portuaire dans le monde. C'est quelque So, chose dont on ne parle jamais. Les Émirats arabes unis, c'est totalement absent des médias. That is why they intervened in Yemen and they wanted to dominate, as you see in the map, all Yemeni, Aden, Hodeidah, Makalla, all Yemeni harbor to be dominated Et c'est pour by. ça donc que les Émirats interviennent au Yémen et veulent contrôler tous les ports importants. Le Yémen, Mohamed, c'est une guerre atroce, ça on le sait, ça on le dit un peu dans les médias. La population souffre, il y a de la famine, on a détruit beaucoup des conditions de vie et de la très belle architecture aussi. Et finalement, ici en Europe, personne n'a une idée pourquoi on fait cette guerre au Yémen. Quelle est l'explication fondamentale? As I have mentioned, is the war is that initiated by the collapse of Saudi hegemony, the appetite of Dubai to dominate all Yemeni ports and to be very strong in the world, and the discovery of new resources of oil.
D'accord. Donc, il y a trois raisons, dit Mohamed, à cette guerre. Un, le déclin de l'Arabie saoudite qui n'arrive plus à maintenir sa domination. Deux, l'appétit des Émirats pour contrôler les ports, comme il a dit. Et troisièmement, on a découvert qu'en fait, il y a des ressources, des richesses importantes au Yémen. And Yemen now is it is like Somalia, is a federal state became and divided by six federal states. Le Yémen est devenu comme la Somalie, un État fédéral divisé en six États. And as Lenin said, that is Tsarist Russia imperialism, it have a character of feudalism also in its clause. Et donc, Lénine disait que l'impérialisme est aussi imprégné de féodalisme, c'est-à-dire d'une mentalité pas démocratique, pas moderne, mais... The imperialism of United Arab Emirates had also a clause of feudalism. It exports capital, and now it is waging war by mercenaries from everywhere because they have the money to dominate Yemen. Et donc, les Émirats aussi pratiquent une politique impérialiste, féodale, et ils mènent la guerre en utilisant des mercenaires parce qu'ils ont les moyens de contrôler, d'essayer de contrôler They le Yémen. Wanted to control that region and oil. And of course, United, they buy also weapons and mercenaries from Britain and United States. Et ils veulent contrôler cette région pour son pétrole. Et bien entendu, les Anglais et les Britanniques envoient aussi des mercenaires dans cette région. And United States and Britain, they support this. Et bien entendu, Londres et Washington soutiennent toute cette opération. Above from that is the Syrian crisis. Alors maintenant qu'on a vu cette région, on va passer au Moyen-Orient. Alors, je m'excuse, on a eu une petite, un petit problème technique avec une carte qui ne permettait pas de passer le son. Je m'excuse, c'est une erreur de ma part. Donc, on a parlé de la Syrie. Je vais résumer ce que Mohamed nous a dit. La Syrie est attaquée pour plusieurs raisons. Un, c'est le pays à travers lequel doivent passer trois pipelines de pétrole et de gaz russes, de l'Iran et aussi de l'Asie centrale, les petites républiques dont nous avions parlé. Et aussi, on a découvert des ressources pétrolières importantes en Syrie maintenant. Et donc, je posais la question, est-ce que donc c'est une raison pour laquelle les États-Unis s'en sont pris à la Syrie? Est-ce que la guerre a commencé en 2011 ou est-ce qu'en fait on a déjà décidé bien avant d'intervenir contre la Syrie? Et voilà, ici nous sommes revenus avec la It caméra et is le son. three strategies have been developed. At one time is the neoconservative have developed the greater Middle East. Il y a eu trois stratégies, c'est-à-dire les néoconservateurs autour de Bush essentiellement au départ, qui voulaient eux créer le grand Moyen-Orient et refaire toutes les frontières.
And that is which is waging war and destroy, occupying Iraq. Afghanistan is part of it, as we have mentioned. Et donc, c'est pour ça qu'ils se sont lancés dans une guerre qui a détruit l'Irak. L'Afghanistan faisait partie de cette guerre. But in concrete, they lost the war. Mais ils ont perdu. Because it is Iraq became almost a province of Iran. L'Irak est en fait devenu une province de l'Iran. It is the Iranian protégé who dominates Iraq. C'est un protégé de l'Iran qui domine l'Irak et donc Washington a perdu dimanche. Except they have some military bases there, but it is their political influence, economic influence is weakened. Ils ont des bases militaires, les États-Unis, mais leur influence politique et économique a complètement décliné. The reverse from the Democrat when Obama came, it is another technique have developed. Et donc Obama, lui, a pris une autre technique, une autre tactique que les néoconservateurs de Bush, which is waging war, proxy war by using terrorists from outside. Et donc outside. Obama, c'était ce que on appelle aux États-Unis la proxy war, c'est-à-dire la guerre par des intermédiaires, c'est-à-dire des terroristes qu'on a fait venir d'un peu partout. Which is it costs less, and it is the money paid by United Arab Emirates, Qatar, and Saudi Arabia and Kuwait. C'est une guerre bon marché, et en plus, elle est payée par les Saouds, les Émirats et le Koweït. The theory is very simple. Iraq, they have to do it themselves, the Americans and the British. But the propaganda level is the same. In Iraq, minority Sunnis are ruling, majority Shia. In Syria, a minority Alawi and majority Sunni. It is the same strategy. Et donc, les États-Unis utilisent la même propagande sur les stratégies, c'est-à-dire qu'ils présentent l'Irak comme étant dominé par les Sunnites, la Syrie dominée par les Alawites, et donc tout ça donne des justifications pour intervenir. Yes, but they failed because it is they don't know Syria very well. More than 60% of the Syrian army and officers, they are Sunnis. And mais of them ils defected. Ont échoué, dit-il, parce qu'en fait, ils ne connaissent pas bien la Syrie, et plus de 60% des officiers de l'armée syrienne sont sunnites, et donc leur analyse est tout simplement fausse. And finally, they were defeated. Et donc voilà pourquoi les États-Unis ont été défaits et ont perdu en Syrie. Bien, je vous montre la carte du Moyen-Orient. Effectivement, j'avais oublié de mettre le son dessus, mes excuses. Et donc, on va comme l'heure tourne et je voudrais qu'on aborde encore un dernier pays qui est l'Algérie. En Algérie aussi, les gens se posent beaucoup de questions. Est-ce que les États-Unis, les Saouds, Israël, la France, qu'est-ce qu'ils veulent avec ce pays? First of all, Algeria is the first school of the French imperialism. D'abord, l'Algérie a été la première école de l'impérialisme français. It's true, Algeria is lately they came and they dominated French-speaking Africa. Et ils sont, à partir de l'Algérie, bien avant de dominer l'Afrique noire. Algeria is a very big country. C'est un pays très grand, très étendu. It's still undiscovered a lot of wealth in its ground. On continue à découvrir de grandes richesses dans son sous-sol. It have defeated the first settlers state was defeated in Algeria. Et c'est là qu'on a vaincu que la résistance algérienne, le peuple algérien a vaincu le premier colonialisme de peuplement, de settlers, comme Saïd Bouamama nous le disait aussi samedi, oui. Second, they have paid a very big price with heroic fighting. Ensuite, les Algériens ont payé un prix très lourd par une lutte héroïque contre le colonialisme français. After independence, Algeria played as a very important frontline progressive state in the African continent. Après cette guerre, l'Algérie a joué un rôle très important comme tête de pont d'un grand front mondial révolutionnaire. Tous les révolutionnaires se rencontraient là à Alger autour de 65. Of course, when Bouteflika came and so on, that it is Algeria was opening and liberalization, American capital, and so on and so on. Malheureusement, après, il y a eu une libéralisation. Le capital étranger est venu et a pris beaucoup d'impact dans l'économie algérienne.
And of course, I think it is the left part of the Algerian party was defeated, and the right wing, the centrists, took over the power. Et malheureusement, l'aile gauche du parti du FLN, donc en Algérie, a été vaincue, et c'est le centre et la droite qui ont pris le pouvoir. And of course, that the young people, a lot of people, they see that the regime is corrupt, a lot of embezzlement of wealth of the people, and so on. Et maintenant, les jeunes voient que ce régime est corrompu, qu'on a volé beaucoup de biens. And of course, imperialism hopes that it is their own friends to come to power and then make Algeria another base of their domination of Algeria and the region. Et donc maintenant, les États-Unis, la France espèrent justement renverser le régime et faire de l'Algérie une base pour leur domination sur toute la région et sur l'Afrique. On voit avec la carte que l'Algérie s'est très étendue et que ça touche, par le Sahara, qui est toute la grande partie du sud de l'Algérie, ça touche à des pays très très importants comme le Mali et le Niger, où il y a l'uranium, et donc toute l'industrie nucléaire dépend de cet uranium. Of course, first of all, French imperialism, since independence of Algeria, they were praying in the church of Saint-Germain, since Algeria got independence, hoping one day they will come back to Algeria. Et donc voilà, la France a toujours espéré revenir en Algérie et prendre le contrôle du pays. Because once, if they have Algeria, it is their strength in the region, in Mali, in all other areas, will be very important. Si Paris contrôle l'Algérie, ils auront une domination très forte sur le Mali et les autres pays de la région. And of course, Algeria also within the OAU in the past, it have supported progressive leaders in the old ex-Guinée-Conakry and all they have created a united front against. Et puis l'Algérie avait créé beaucoup de dirigeants progressistes en Guinée-Conakry et dans d'autres pays de l'Afrique. Of course, there is a contradiction that both imperialist forces, United States and France, both of them also, they wanted to stop what they call Chinese influence. Et bien entendu, aussi bien les États-Unis que la France veulent contrer ce qu'ils appellent l'influence, le danger chinois, le péril jaune. Of course, and the second strong economic relation Algeria have is with China. Et la deuxième relation la plus importante de l'Algérie, c'est avec la Chine. And especially in the energy sector. Voilà, dans l'énergie notamment. Donc là, on a découvert plusieurs des crimes de l'Algérie aux yeux de l'impérialisme et donc plusieurs raisons des dangers. Je vois que l'heure a tourné, vous êtes très nombreux à nous suivre et à envoyer des questions. Nous n'allons pas avoir la possibilité maintenant de répondre à toutes ces questions, mais on va essayer de le faire sur Facebook pendant quelques minutes. Mais Mohamed doit bientôt retourner, donc on va remercier et demander une conclusion. Quel est votre message par rapport aux gens qui nous écoutent ici en Europe, mais il y a des Algériens et on nous écoute dans beaucoup de pays, on le sait. Quel est votre message par rapport aux citoyens, par rapport aux jeunes, par rapport à toutes ces questions d'information et de stratégie? Vous avez parlé de choses qui ne sont pas dans les médias. Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, citoyens? I think to use Mao Zedong's proverb. Pour employer un proverbe de Mao Zedong. We are majority in number, but weak in organization, in leadership. En nombre, nous sommes la majorité, disait Mao, mais nous sommes faibles pour l'organisation et pour le leadership, pour la capacité de diriger, d'entraîner. The media and the political bourgeois political parties. Les médias et les grands partis du système bourgeois actuel. And of course, and pseudo-intellectuals of the petite bourgeoisie. Et les intellectuels de la petite bourgeoisie. In our country now, it's a desert. There is no vanguard which can teach us, can mobilize us, we can work together, doesn't exist. We live in a desert situation. Dans nos pays actuellement, c'est le désert. Il n'y a pas des intellectuels d'avant-garde qui peuvent entraîner la population pour le changement. Therefore, it is my suggestion is that
First of all, we have to be a combatant of, as an individual, to rid ourselves. La ma suggestion, c'est que nous devons être des combattants pour lire, pour nous former. And secondly, probably with Michel Midi and so on, we can read collectively and discuss like this and make evenings, whether it is local or a little bit bigger than local, and discuss and read progressive books from where it comes and so on, because we are now, I feel myself as if we are living in a concentration camp where there is no Nazi booth, but there is a Nazi type of propaganda on the population from day to night is bombarded. It is, we have to try in our way to make a debate. Et Mohamed disait, ma suggestion, c'est que nous essayons de nous organiser pour lire des bouquins, des livres progressistes ensemble, pour en débattre, peut-être pour organiser des rencontres. C'est quelque chose dont on a discuté et dont on parle aussi à InvestiAction. Je crois que vous avez le besoin qu'on mette en commun. Donc Mohamed parlait de Michel Midi comme un moyen pour déjà vous apporter des informations, des lectures, des éclairages qu'on ne trouve pas ailleurs, mais on devrait réfléchir, et vous avez, tout à l'heure, je remettrai l'adresse Michel Midi à InvestiAction, on doit réfléchir ensemble comment organiser peut-être des ateliers d'échange, de lecture collective, de réflexion, pour assimiler. Vous savez, il y a énormément de mouvements africains, arabes et d'autres, des théoriciens, des mouvements de libération, qui ont écrit des livres, qui ont raconté des expériences sur l'histoire et qu'il faudrait pouvoir communiquer. Bon, là, je ne suis pas en train de traduire, vous l'avez remarqué, mais l'idée de Mohamed m'enthousiasme. Et donc, je crois qu'il faut trouver un système, il faut organiser des groupes de lecture, des groupes de réflexion, des groupes d'échange et de formation pour, voilà, pour que le désert refleurisse. But it is not... we have to be hopeful. It is not to demoralize. This only tells us that it is we have to do more to understand. To give you that. Je n'ai pas voulu démoraliser. On ne doit pas désespérer. Au contraire, je pense que je veux donner de l'espoir. A lie is a lie, and always it is. It can a lie can make a speed, but it is very easy to break it down and to see. A lie is a lie. Un mensonge, ça restera toujours un mensonge. Il peut se répandre très vite, mais c'est facile de le détruire. Don't be demoralized, be united. Ne soyez pas démoralisé, unissez-vous. Think rational. Pensez de façon rationnelle. And it's not so complicated to understand the forces who are ruling this world. Ce n'est pas si compliqué de comprendre quelles sont les forces qui dirigent ce monde. And I hope we will have a healthy time together, and I wish you all the best. Et voilà, j'espère que nous aurons, je vous souhaite le meilleur, j'espère que nous aurons des moments très positifs ensemble et encourageants. Thank you very much, Mohamed. This was really a very nice meeting, a very nice discussion, and I think indeed it gives hope. Bon, je suis passé à l'anglais, je reviens au français. Merci, Mohamed, c'est effectivement... je trouve une rencontre très encourageante. On a appris énormément de choses et je pense que c'est un bon message d'espoir. Nous allons clôturer ce Michel Midi. Je vous signale que je vais avoir 2-3 conférences en France, à Assier, le Festival des Faucheurs d'OGM, à Lyon et à Saint-Brieuc en Bretagne. Si vous vous inscrivez à la newsletter d'InvestiAction, vous aurez toutes les informations qui vont être préparées par Federica prochainement pour assister à ces conférences et venir discuter, échanger, comme Mohamed le disait avec nous. Il va y avoir aussi une activité importante à Paris le 4 mai. Ça va s'appeler la stratégie de la peur, médiabolisation des gilets jaunes. Je crois que le titre dit clairement de quoi il s'agit. L'affiche est un peu petite sans doute sur votre écran, je ne pense pas que vous pouvez lire les détails, mais elle va être diffusée très bientôt
Elle est bientôt sur notre Facebook Investigation, sur le site. Et en gros, donc, ce sont un débat avec François Bouleau et Priscilla Ludowski, porte-parole des Gilets jaunes, avec Robert Charvin, qui va publier chez Investigation un livre « La peur, arme politique », avec Étienne Chouard, que je ne dois pas vous présenter, et moi-même pour animer. Avant ce débat, il y aura une expo photo. Nous lançons un appel à tous ceux qui ont fait des photos des mouvements des Gilets jaunes, de la répression, etc., de nous les envoyer pour participer à l'expo. Il y aura des ateliers pour analyser les médias, comment on répand ce message de haine et de peur contre les Gilets jaunes à la télé, dans les magazines, sur les réseaux sociaux, etc. Et il y aura donc des ateliers participatifs pour analyser tout ça. Ça va être une très très chouette rencontre le samedi 4 mai à partir de 12h30 jusqu'à 18h. Vous pouvez contacter investigation.paris@gmail.com. Ça va être sur le Facebook aussi. Si vous voulez participer, des infos, envoyez vos suggestions. Voilà, ce sont des prochaines activités aussi pour mener la bataille de l'information. Les livres dont nous avons parlé se retrouvent sur le site Investigation, notamment le fameux manuel stratégique de l'Afrique dont nous avons parlé, la stratégie du chaos avec Mohamed Hassan. Je vous rappelle que nous avons beaucoup travaillé pour réduire les frais de port pour vous les envoyer. Il y a même moyen de les avoir gratuitement aussi en venant à nos dépôts à Bruxelles, Paris et ailleurs. Je vous remercie énormément pour votre intérêt et je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Michel Midi. À bientôt et ensemble dans la bataille pour l'information.